Yo les petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo, regardez où est-ce que je suis, nous sommes à Universal Studio, voilà j'ai trop hâte, c'est la première fois que je fais celui du Japon, puis c'est la première fois que je suis au Japon, j'avais déjà fait celui qui est à côté de Los Angeles, voilà, et franchement j'avais grave aimé, donc là je suis trop contente d'être là. Ce qui est assez perturbant, c'est que c'est vraiment dans la ville. C'est-à-dire, on n'a vraiment pas fait beaucoup de métro et de train, tout ça. En fait, on est arrivé assez rapidement donc à Universal Studios et c'est trop perturbant parce que, en fait, regardez, il y a les immeubles, genre il y a le parc entre les immeubles. C'est les hôtels, on vient de me dire dans l'oreillette. Voilà. Mais n'empêche qu'on n'est pas vraiment loin de la ville. Donc c'est assez quand même perturbant quand on connaît le chemin qu'il faut faire pour aller à Disneyland Paris, par exemple. Regardez derrière moi, il y a déjà un box office de tickets pour One Piece. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je savais même pas qu'il y avait One Piece dans le parc. Mais regardez, je suis trop contente. En vrai, j'ai pas trop de souvenirs de Universal États-Unis à part l'attraction Harry Potter. Et du coup, j'ai trop hâte de la faire ici parce que pour moi, ça m'avait mis une claque. Franchement, une claque phénoménale, celle que j'avais testée. Il y a plein de trucs avec Hello Kitty et tout. Oh là 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 là. Il y a même un endroit spécial Demon Slayer du coup pour pouvoir prendre des photos avec Tanjiro. C'est incroyable. On est arrivé. Ah là 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 là. J'adore. C'est incroyablement beau, j'adore. Bon, du coup, comme vous le voyez, on est dans la partie Harry Potter et on va aller faire normalement l'attraction. Il me semble qu'actuellement, il y a 15 minutes d'attente, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. C'est magnifique. Le fameux château de Poudlard, incroyable. Je suis actuellement comme une enfant, il y a vraiment 15 minutes d'attente, c'est incroyable. J'adore. Actuellement dans les couloirs de Poudlard. J'ai trop hâte de l'attraction, j'espère vraiment que l'attraction elle est cool. Je peux pas vous emmener avec nous, j'ai pas le droit de filmer. Bisous, je vous dis à la fin comment c'était. On vient de sortir de l'attraction. En vrai, j'avais quand même je sais pas comment dire, je pense que c'est un peu le côté nostalgie et le fait qu'à Hollywood c'était la toute première fois que je le faisais. Mais c'est pas que j'ai été déçue, juste dans ma tête c'était mieux, mais c'était quand même incroyable. Voilà. Genre ça reste quand même une attraction qui met une tempête aux attractions un peu spectacle qu'on a en France. Honnêtement. Vous avez kiffé ? J'ai kiffé, mais si j'avais fait 2 heures d'attente pour ça, j'aurais été déçu. Oui. C'est vrai que 10 minutes, bah en vrai, on a même pas attendu. On a, genre, marché, on a mis dans les lockers et ça y est, c'est bon. Petite boutique de confiserie. Bon, là, c'est pas trop des confiseries, mais c'est rose. Donc, ça, j'aime bien. Par contre, j'ai trop faim, j'ai pas pris de petit déj, donc est-ce que je me prends un petit truc? Genre, est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas bons ou pas? Il y a même de la Love Potion. Oh, ça a l'air trop beau. Sold out. Sold out, ah oui. Mais le fou, il fait tellement vrai. Ok, nouvelle attraction qu'on va faire. Jurassic Park. Je me souviens avoir fait une attraction à Hollywood, mais si c'est celle qui passe au-dessus de moi, ça n'a rien à voir. Moi, celle de Hollywood, c'était un truc un peu spectacle aussi. Je disais donc qu'à Universal Hollywood, c'était une sorte de wagon avec de l'eau. Enfin, c'était très spectacle. Mais effectivement, que si c'est la chose là qui passe au-dessus de moi, rien à voir. Et plus on avance, plus je vois l'attraction au-dessus de moi, et plus je me dis ça n'a rien à voir avec celle de Hollywood. Je sais pas si c'est rassurant. Ils sont là en train de monter. Ils ont pas la tête à l'envers, mais genre ils sont vraiment couchés vers le sol quoi. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Regardez-les nous faire coucou là. À l'entrée, il y a un tout petit, il s'est fait à moitié recalf. Ils sont en train de le mesurer parce que je crois qu'il a pas la taille requise. Non mais attendez, parce que vous avez pas vu la descente que c'est. En fait, là, ils sont en train de monter. Et après, du coup, la tête la première, ils descendent. Genre en mode la descente qui est là-bas, c'est la tête la première. C'est quand même une folie. Attendez, mais les décors par contre de ce parc, c'est magnifique. Hein. Franchement, si vous êtes fan, même juste si vous avez un peu les références, c'est incroyable. C'est un bonheur et j'ai vraiment très hâte d'aller au Nintendo World. Là, pour le coup, j'ai de plus en plus hâte. On vient de sortir de l'attraction Jurassic Park. Je n'avais rien mangé avant.
j'ai la tête qui tourne de zinzin. Je n'ai jamais été dans cette position durant une attraction. C'était la première fois de ma vie. On a fait des loopings, la tête la première, en étant allongée vers le dos, enfin sur le dos, sur le ventre. Ça m'a mis, en vrai, ça m'a mis mal, mais l'attraction, elle est incroyable. Genre, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je n'ai pas les mots. C'est incroyable comme attraction. Ce parc est fantastique, ce parc est fabuleux. On a fait 20 minutes d'attente et en vrai, les minutes d'attente ici, ils comptent le moment où tu mets ton sac dans un casier. Donc en fait, ça fait que ça paraît vraiment très rapide, mais incroyable. Franchement, je crois que tout le monde a kiffé l'attraction. Vous avez kiffé l'attraction ? Oui, je suis choqué. Choqué ? Choqué. Avant, on m'a dit qu'il ne faut pas s'attendre à des sensations fortes. Oui, c'est vrai que moi, Universal Hollywood, tu ne me rappelles pas de sensations fortes comme ça. Ça, c'est une folie. Ouais. J'ai jamais ressenti ça. Incroyable. Genre là, vous voyez, c'est les loopings qu'on a fait. Là, ils vont passer par ici, je crois. Et vous allez voir, ils vont avoir la tête à l'envers. Regardez, là, hop, là. Là, on avait la tête à l'envers et tout. Et après, on a fait les loopings. Enfin, franchement, c'était terrible. Incroyable la musique et tout. Alors là, je suis fan. Hein. J'espère que l'intérieur il est archi beau. Ah mince, putain, je suis super zoomée, pardon. Et du coup, les menus sont là. J'espère que vous voulez manger un plat, j'ai faim, mais. Ah, moi j'ai super faim. Hein. Bon, il est actuellement 10h tout pile. Ça va s'enquiller un menu là, j'ai trop faim. J'ai pas mangé ce midi, j'ai super faim. Ça va prendre le menu de Luffy. Hein. Regardez, j'ai ma petite chope. Luffy, incroyable. Ouais, je croyais que c'était lourd, mais c'est super léger. Attendez, c'est pas le bon côté. Je refais. Le truc, il a l'air meilleur que le mien. Petit menu de Luffy. Petit menu Jimbei. En vrai, ça a l'air bon toi aussi. Hein. Bon appétit. La première fois de ma vie que je mange des frites avec des baguettes. On change tout. Quelle révolution. Incroyable. C'est pas un problème avec comment le frites. Comment je mange ça, moi? C'est bon. Manger des pâtes. Maintenant, je mange que avec des baguettes. Nous sommes au Minion Park. Que des mignons partout. C'est trop joli. Franchement, les décorations du parc, elles sont incroyables. Elles sont vraiment, 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 vraiment très, très belles. C'est super bien fait. Et en plus, là, on a un peu de chance aujourd'hui. Je sais pas si c'est à cause du fait. Bon, je pense que c'est à cause de ça, mais il fait pas excessivement beau. On n'a personne dans le parc pratiquement. Goûtons ça. Je vais être malade, je pense, parce que je ne tiens pas trop le sucre. Moi j'adore les fraises donc forcément. Les humains. Hein. Moi j'adore. Je valide. Je suis une pigeonne mais je valide. Mais là j'ai vu, il y a le truc Hello Kitty juste là. Le bonheur. Le bonheur à l'état pur. Alors là, si je ne ressors pas avec quelque chose, c'est un miracle. Même les petites oreilles là. Oh là 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 là. Mais attends, mais ça c'est pour chien. Non mais jurez, ça va pas à un de mes chats. Jury, je vais pas en prendre un pour mes chats. C'est un enfer pour moi de pas craquer. Quand j'étais petite, j'avais une collection de peluches Hello Kitty. Je sais pas où elles sont, mais purée, mais si vous m'aviez emmenée ici quand j'étais enfant, et le bonheur. J'ai réussi à résister, mais on m'a mis une idée en tête. Oh non, c'est une blague. Regardez, il y a Hello Kitty. Elle est trop mignonne. On est dans une boutique où tout est en édition limitée. Enfin, je sais pas si tout en vrai, mais... Ouais, je sais pas. Mais franchement, elle a du style, elle. Hein. On est parti direction le Nintendo World. J'ai trop hâte. En fait, le parc, au final, il est assez petit. C'est vrai qu'on est vite revenu sur nos pas. J'ai l'impression qu'il y a quelques attractions vraiment, il y en a 3-4 de grosses on va dire, et sinon j'ai vraiment l'impression que c'est quand même assez petit, assez restreint, genre il y a 3 zones principales, les Minions, Harry Potter et Nintendo, et sinon le reste c'est quand même assez petit. On est en train de m'emmener dans un guet-apens. En fait Fabien il osait pas prendre la montre tout seul, du coup je vais en prendre une, c'est pour moi Peach. T'as pris qui toi? Yoshi. Et petite ouverture. Du coup il y a un QR code à faire. Qu'est-ce qui m'a fait acheter
Ah, ça m'a fait trop mal. La taille du truc. Et donc c'est interactif, bah, de toute façon on vous montrera. Enfin, le Super Nintendo World, le fameux. C'est incroyable. C'est oufissime. C'est magnifique, hein. Franchement, je suis choquée. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots, c'est trop trop joli. Non, les décors et tout, c'est vraiment incroyable. Ok, attendez, c'est mon tour. Eh bah purée, j'en ai beaucoup, hein. Du coup, là, on va faire l'attraction Mario Kart. Apparemment, il y a 100 minutes d'attente et 45 minutes en single rider. Mais du coup, on va le faire quand même et on va attendre 100 minutes. C'est un petit peu long quand même. Ouais, c'est un peu long. Je suis en train de réaliser. C'est incroyable. On est en train de passer dans le parcours Mario Kart, vous savez, du château de Bowser. C'est vraiment pareil. Les décors, ils sont phénoménales. Mais c'est bizarre qu'il y ait autant d'attentes alors qu'il n'y a personne dans la file. Ça fait peur en vrai. Tous les petits trophées. Enfin, là où il y a toute la file d'attente et il y a énormément de monde. Mais en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que juste avant, vous avez vu tout ce qui était vide. Mais si tout est rempli, j'imagine même pas le temps d'attente. Du coup là on va bientôt passer, on a fait une heure d'attente. Moins. Même pas. On a fait 50 minutes ouais. En vrai ouais, ça a été vite hein. Enfin ça a été vite, tout est relatif. Mais toujours plus vite que 100 minutes. Ouais. Je peux pas filmer l'attraction, on se retrouve après et je vous ferai un petit débrief de comment c'était, si ça valait l'attente ou pas. Mais en tout cas, la file d'attente, incroyable, trop trop belle, trop stylée. Bon, du coup, on vient de terminer l'attraction. Franchement, ça ressemble un peu au bail de Buzz l'éclair à Disneyland. Et en vrai, c'était grave sympa. J'ai été deuxième, Fabien, il a été premier de tout notre truc. Genre pas juste de notre car, mais de tout le monde. Et du coup voilà, franchement c'était sympathique, c'était bien fait, on avait des lunettes un peu, c'était pas de la 3D, c'était de la réalité augmentée, mais franchement c'était grave sympa, j'ai bien aimé. Et là, c'est le rendez-vous au merch, je suis un peu essoufflée par contre. Bon, du coup avec mon bracelet, là actuellement on a deux clés, il nous en manque une toute dernière pour pouvoir aller à l'attraction de Bowser Junior, enfin voir ce qui se passe avec l'animation et tout. Allez, c'est parti, on va là avec nos trois clés du coup. On va aller voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ah, il y a un truc. Non, tu t'es fait piéger, je crois. Non. Ouais, je crois que c'est un piège. Essayez de vous filmer le truc, mais je suis pas sûre de réussir ou même d'avoir le droit. Parce que peut-être que je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc on verra. J'ai besoin de mes deux mains, donc je vais pas pouvoir vous filmer. En fait, là on a le tuto derrière, enfin devant pour moi en anglais. Mais du coup, je vais pas pouvoir vous filmer, faut que je pose la caméra. Du coup, on vient de terminer. En vrai, c'était rigolo, ça va, c'était sympa. C'est dommage que la deuxième clé, enfin la dernière clé, il y avait trop de monde. Genre, on a attendu plus de 20 minutes. Mais sinon, le reste des 5 minutes, 5-10 minutes en général, et en vrai, ça, c'est sympa à faire. Genre, ça fait une petite interaction dans ce parc là, donc c'est sympa, c'était mignon. Voilà, petite pause goûter, j'ai pris et je suis lessivée, je vous jure, je cherche à chercher mes mots, je galère à chercher mes mots. Petit frappé strawberry, voilà, je pensais que ça se buvait à la paille mais en fait on nous a donné une cuillère, donc c'est sucré quoi. On est du côté Wonderland cette fois-ci, ça va être la dernière zone du parc. C'est tout ce qui est Snoopy, Hello Kitty. Comment ça s'appelle déjà? Tu sais, là-bas, la petite marionnette rouge. Ah, c'est dans Sesame Street? Ouais. C'est Sesame Street. Sesame Street. Voilà, là il y a une attraction Snoopy ici. Oh là là, mais je viens déjà de manger un truc sucré. Je ne peux point me permettre de remanger quelque chose de sucré, même si c'est en forme d'Hello Kitty.
Oui, ça. Oui, mais comment c'est Kermit. Kermit. C'est pas quelque chose comme ça. Kermit. Kermit là. Ouais. Encore un truc rose. C'est une boutique. Oh là 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 là. Il y a même des toilettes roses. Et j'ai envie de faire pipi. C'est de lui là dont je parle. C'est bien Kermit son nom. C'est Elmo. C'est Elmo, mais attends, mais c'est qui Kermit alors? C'est une version française. C'est la grenouille. Ah, c'est la grenouille. D'accord. Pardon. Bon bah Elmo. Trop mimi. Il est trop mignon. Quand j'étais petite, c'était un de mes Pokémon préférés. Finalement, là on est tous claqués, au final on a fait tout le tour, on a fait quelques attractions etc, malheureusement j'ai pas pu vous filmer. Au niveau des magasins, en vrai je trouve que le merch il est pas dingo, genre pas comme un Disney où limite t'as envie de tout acheter. Après est-ce que c'est parce que je suis... Non, en vrai c'est même pas ça. J'ai plus d'affinité avec Disney parce que au final j'ai quand même pas mal d'affinité avec les jeux typiquement Nintendo et tout. Mais en fait, je sais pas, le merch, il me tape pas dans l'œil. Je me dis pas, oh my god, ça, il me le faut absolument et tout. Je sais pas, je suis pas subjuguée. Enfin bref, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, ça a été un grand plaisir de faire cette petite découverte d'Universal Studios Japon. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, ciao. Sur cette fin de vidéo, voici Shrek. Le chapeauté, ça va, il est mignon, hein. Il est vraiment mignon. Mais alors, je trouve qu'il est terrifiant, par contre.